Salut toi. Et voilà, je me voici sur les pentes du Mont Beuvray. C'est cool. Le musée est juste en contrebas, juste ici par là, là. Donc j'irai tout à l'heure, si j'ai fini la rando, j'irai peut-être faire une petite visite du musée avant la nuit des étoiles, parce que ça commence à 16h avec un espèce de... Enfin, je vous verrai tout à l'heure, je ne me rappelle plus trop du programme. En attendant, je vais faire l'ascension du Mont Beuvray et vous montrer tous les points de vue que je peux voir. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais faire le tour des remparts par le JR13 avant d'aller au sommet et puis vous montrer quelques trucs sur le sommet. Voilà, donc ça grimpe pour l'instant tranquille. Je suis en pleine forêt. C'est bonnard, il fait pas spécialement chaud aujourd'hui. Il y a des nuages. Il y a un petit peu de vent, donc j'espère que le vent va chasser les nuages, et puis... Parce que sinon, les étoiles, ça va être compliqué. Allez, on y va. Allez, viens. Donc la montée se fait en pleine forêt. Là, j'arrive au premier panneau. Juste ici. Donc là, en fait, je suis sur le rempart extérieur. Voilà, je suis là. Et moi, je vais monter sur ce chemin-là. Le GR, en fait. Et je pense que j'aurai le temps aussi d'aller... vous montrer celui-là. Je vais me balader un peu partout. Et me voici arrivé sur les... Enfin, à peu près sur... sur le Mont Beuvray. Donc avec ici les murs de fortification gauloise. Alors, on arrive... au rocher de la Vouivre, juste ici, avec une vue tout au fond sur le Haut Folin. Si je zoome, voilà la petite antenne juste là-bas. Ça grimpe, mais attention, regarde-moi ce qui se cache derrière les arbres. Première petite vue. Et là, alors là il y a du ZEF, hein, donc c'est... C'est là que je vais vérifier l'état de mon micro, si vraiment ça vaut le coup ou pas. Je sais pas si on m'entend du coup. Mais la vue, elle est superbe. Regarde-moi ça. Ah, ça vaut vraiment le coup d'œil. Même tout au fond là-bas, là, c'est dommage que ce soit aussi gris, parce que franchement, il y a une très très bonne vue. Ah. Regardez-moi ça, quand je tourne la tête, regarde ce que je vois.
Ah, je pense que j'arrive sur un site de fouille. Donc évidemment, interdit au public, interdit de marcher. Alors, je sais pas trop ce qu'ils ont trouvé par là. On voit pas grand chose du coup. C'est quoi donc ? Il y a les grandes portes. Donc apparemment c'est tout récent. Et donc on ne voit guère de trucs, de toute façon c'est tout protégé. Ouais ouais, c'est top. Waouh 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 waouh. Regarde à côté de quoi je marche. Encore une fois, c'est assez gris. Hein. Donc au fond, on voit peut-être un peu mal. Mais on a une vue du tonnerre sur le Morvan. C'est hallucinant. Je vais pas tarder d'arriver à la fin de ce petit tour des remparts. Donc j'aurais fait 7 km, ce qui est un beau parcours. Et voilà. Donc ici on trouve des panneaux. Et le sommet du Mont Beuvray qui est tout là-haut. Ouais, donc il y avait plusieurs portes. Hein. Il n'y avait pas qu'une. Celle où j'étais tout à l'heure, elle est juste ici, là. Porte de la terrasse où il y avait le chantier. Mais en fait, il y en a 2, 3, 4, 5 portes. Pratiquement 6 même. La principale c'est celle-là, avec les murs de fortification qui sont ici. Si j'ai le temps, j'irai vous montrer ça tout à l'heure. Pour l'instant, je vais suivre un autre chemin en fait, qui va me conduire normalement aux plus belles vues du Mont Beuvray. Donc là, je me dirige vers une roche. Et nous voilà arrivés à la roche. On a ici les panneaux là. Donc ça c'est la roche Chalvet. C'est vraiment un beau petit coin. Ah, c'est vraiment hallucinant.
Bon bah écoute, moi je vais faire ma petite pause ici. Je sais pas ce que t'en penses. Et me voici arrivé sur une fontaine en fait. Un très joli petit coin. Vous voyez là-bas là. Donc c'est l'époque gauloise évidemment. Oh ouais, ah ouais, c'est chouette. Franchement, c'est super chouette. Alors comme je l'ai dit, ouais, à mon avis, ça doit être fabuleux quand au printemps où il y a plein d'eau, quoi. Ça doit être vraiment fabuleux à ce moment-là. Alors je vais essayer de me rapprocher un petit peu plus pour vous montrer un petit peu mieux. C'est franchement hallucinant. Imaginez avec plein d'eau là, ça doit être vraiment superbe. Et me voici sur le site des terrasses. Alors là, vous voyez, c'est blindé de monde. Comme c'est le sommet et que les fouilles sont juste à côté, en fait. Bon, tous les gens viennent ici, en fait. J'essaie quand même de vous montrer l'intérieur. C'est des offrandes. La petite chapelle des offrandes en Montgoré. Et me voici sur le site de la terrasse avec la vue panoramique. Et une nouvelle tente d'orientation pour moi. C'est la 19e. Donc plus qu'une. Ah, la vue est fabuleuse. Franchement, c'est fabuleux.
Lyon, Huchon. Huchon, pays des rochers. mètres. Ouais. C'est prodigieux. C'est vraiment hallucinant. C'est pas le bon endroit du tout. Mais c'est quand même super joli. Bon, mais je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. On doit même y avoir des spectacles d'oiseaux ici. Je ne savais pas en fait. Voilà, il y a des gradins. Et là, il y a un tas de panneaux qui indiquent le nom des oiseaux. L'aigle, enfin un tas de trucs. Et les oiseaux, ils doivent être attachés ici avant d'être lâchés. Là, ça doit avoir le coup quand même, parce qu'avec une vue comme ça. Et fin de la visite par les ruines en fait, hein. Les chantiers archéologiques avec la superbe vue derrière. Voilà les murs, les fondations plutôt d'un village gaulois. Que des murs. Hein. On a la date du deuxième siècle avant notre ère. Elle a été romanisée au fond. C'est là quand on trouve le deuxième siècle. Et on retrouve la vue. Et ben voilà, fin de cette visite du Mont Beuvray. J'ai pas pu tout vous montrer malheureusement parce que c'est bientôt l'heure de la nuit des étoiles au musée. Donc j'espère avoir pris des belles vidéos pour vous en mettre plein la vue.
Donc je vous ai montré un peu comment éviter tout le flou touristique qui passe par le Mont Beuvray, en admirant bien sûr les plus jolis trucs à voir tout en haut. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure peut-être, j'espère que je pourrai filmer des trucs. Voilà, maintenant je me dirige à la Nuit des Étoiles. Et c'est parti.